Previously, in WoQuesting. Donc ça y est, voilà, hop là, vous voyez, il est juste devant moi, un nouveau micro. Donc souvenez-vous, dans la dernière partie, justement, nous avons fini tout ce qui est, on va dire, affaire Andra et Nord. Donc maintenant, on peut donc retourner enfin en Azeroth pour aller récupérer nos pouvoirs de dragon du vol bleu. Il y a un portail hurlevent ici et on va y aller. Voilà, là vous avez Blackhaven à l'époque de Wrath of the Lich King. Je n'ai pas encore celle-là, la moto lame de champion, celle qui a été fabriquée IRL avec celle de la Horde dans Azeroth Choppers. Et elle coûte 100 KPO. Ça va passer sur une phase de transition, hop là. On contourne le Maelstrom. Et voilà, on fait route vers la toundra boréenne. Voilà, voilà, bienvenue à Frimara, les amis. Ah, Galagos veut nous donner un truc apparemment. Apparemment, c'est une graine purificatrice de la lieuse de vie. Donc, Alexstrasza, la reine dragon. Oula, oh, attendez là, qu'est-ce qui se passe? D'accord, un faisceau. Oh! Mon corps commence à me démanger là. Qu'est-ce qui se passe? Purée, ça nous a bien aidé apparemment. Alors attends, on va essayer. Oh purée, on peut enfin se retransformer. Je veux dire, il n'y a plus rien qu'on ait à faire ou quoi. On peut donc retourner au fief et enfin commencer les quêtes de campagne de fief. Ah d'accord, il était attaché. Vous retirez son baillon. Ils ont Tailin. Coucou les orques. Nah. Au revoir. Costard, à la maison. Ah d'accord, il est mort. Voilà, doucement dans le virage maintenant. Doucement. D'accord. Ah bon, ben Costard s'est écrasé. Oh mon pauvre petit, on ne t'oubliera pas. Hey, salut à tous les amis, c'est Lerastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du questing. Allez hop, on va refaire un peu du neuf hein, maintenant, et plus de commentaires du moins je l'espère. Donc, nous allons continuer les campagnes de fief et d'après ce que j'ai vu des semaines qui se sont passées et tout, que j'ai pas eu de micro, tout ça, apparemment c'est une campagne, enfin une quête de campagne par semaine. Par exemple, j'ai eu le serviteur de Khadgar qui patrouillait pendant une semaine dans mon fief. Y a un poster là-bas à l'intérieur de l'hôtel de ville qui a une quête. Et là, apparemment, cette semaine, c'est Baudric Grey du SI7 qui nous propose quelque chose. La lumière soit avec vous. Alors, ça commence à chauffer, nous devons effectuer une percée. Campagne du fief, perchoir de sombre flux. D'après nos rapports, des vaisseaux de guerre de la Horde de Fer accostent sur une petite île au sud de la vallée d'Ombre Lune. Nous avons envoyé des éclaireurs, mais nous sommes sans nouvelles pour l'instant. Cela peut valoir la peine d'enquêter. Nengar Grand Godet tient un griffon à votre disposition. Vous pouvez y aller quand vous voulez, commandant. D'accord ? Que la lumière vous bénisse. Donc apparemment, d'après ce que je vois, les campagnes de fief s'effectuent en fait aux zones de quête journalière Apogide. Peut-être que c'était une sorte d'introduction à ces zones. Mais bon, vu que je suis en retard sur ça, et ben voilà, hein, je connais déjà les zones et tout. Je sais déjà ce qu'il faut faire en termes d'objectifs quand je fais les quêtes journalières. Allez, amène-nous au perchoir de sombre flux. Oula. D'accord. Ce griffon a pas l'air très bien. Il doit être malade ou quoi. Il est pas rapide. Hein. Il est passe aux amphétamines. Il lui faut des vitamines. Là. Il faut le booster un peu, le petit. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous avez bien aimé ma partie RP de la vidéo précédente. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire à propos du vol bleu, tout ça. Mais je n'y ai pas pensé quand j'y étais.
Lorsque je cherche des trucs sur le lore, tout ça, sur le net, déjà il faut savoir que je ne lis pas les livres de WoW. J'ai juste lu l'Ascension du Roi Lich et c'est tout. Sinon, je veux dire, je me suis pas penché sur les autres bouquins. Et donc, en cherchant du lore, tout ça sur Internet, il m'arrive souvent de tomber sur des citations de livres de WoW. Et les dernières recherches que j'ai fait en date, c'est à propos du vol bleu. Et il faut savoir que apparemment, et ça je suis bien deg, entre Cataclysm et Mist of Pandaria, le vol bleu a été dissous par Kalegos lui-même. Attendez, on va se mettre ici hors de portée des ennemis et je vous explique ça. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi, hein. C'est d'après ce que j'ai lu et tout, donc peut-être que je vais faire quelques erreurs sur ce que j'ai lu parce que je me souviens pas non plus à 100% du truc, hein. Je vais faire jouer ma mémoire sur ce coup-ci. Donc apparemment, ça s'est passé lorsque Terramor a été détruite par Garrosh, enfin plutôt par la bombe de mana que ces ingénieurs gobelins ont fait. Donc bien sûr que si jamais vous avez fini Cataclysme et tout, vous savez que les aspects dragons ont perdu leur pouvoir suite à suite au combat contre Eldemort. L'œil de focalisation c'est un objet de puissance que les dragons du vol bleu ont. Il avait servi à pouvoir détruire Eldemort grâce à l'âme des dragons. Cet objet a été mis sur un bateau et il faisait route je sais plus trop où. Il y avait des dragons bleus qui escortaient le bateau et apparemment la horde de Garrosh a attaqué le bateau et a piqué l'œil de focalisation. C'est après pour ça qu'ils l'ont utilisé pour utiliser une grosse bombe de mana pour détruire Terramor. Et ça, Kalegos, on va dire qu'il a pas trop apprécié. Ça a été pour lui une sorte d'échec en tant qu'aspect du vol bleu. Donc bien sûr, il était là avec Jaina et tout lorsque Terramor a été détruite. Donc je vous dis pas le choc. Suite à ça, Kalegos est retourné au Nexus. Enfin, il est retourné à Frimara. Il a fait un conseil avec les dragons bleus restants. Parce que ça, il faut savoir aussi que le vol bleu est pas mal décimé, hein. Il a connu pas mal d'épisodes tragiques au niveau démographie. Je veux dire, déjà, il y a eu la bataille il y a 10 000 ans... au Puits d'Éternité et Eldemort qui a foutu son bordel, qui a pas mal décimé le vol bleu. Donc déjà là, la population était pas mal réduite. Il y a eu aussi la guerre du Nexus lorsque l'extension Wrath of the Lich King est sortie, avec Maligos, l'ancien aspect de la magie, qui a lancé une guerre contre les mortels et contre le vol draconique rouge. Donc là aussi, il y a eu pas mal de dragons qui ont péri. Et ensuite, lorsque Eldemort a attaqué le repos du verre, il y a pas mal de dragons bleus qui se sont battus également. Et là aussi, il y en a qui sont morts. Donc autant vous dire que le vol bleu ne compte plus beaucoup de dragons, peut-être moins d'une cinquantaine. Donc voilà, Kalegos est arrivé à Frimara tout dépité et tout parce que l'œil de focalisation a été utilisé à des fins meurtrières, tout ça. Il a tenu un conseil et il a dissous le vol draconique bleu. Et en gros, il a dit partez où vous voulez, je ne suis plus responsable en gros du vol draconique bleu. Donc ensuite, suite à ça, les dragons bleus sont partis un peu partout sur Azeroth. Kalegos lui-même s'est engagé au Kirin Tor, la faction des mages, avec Jaina. Il s'est engagé comme mage là-bas.
Bon, il peut, je pense qu'il peut toujours se transformer en dragon, qu'il a toujours ses grands pouvoirs, tout ça. Mais bon, je veux dire, il est plus officiellement, on va dire, le chef du vol draconique bleu. Il me semble que il y a une dragonne qui est restée au Nexus pour que si jamais les dragons bleus veulent un jour revenir, il y aura toujours quelqu'un à Frimara pour les accueillir. Et peut-être que ce serait un objectif pour moi, enfin peut-être que ce sera mon destin de reformer le vol draconique bleu, qui sait, on ne sait pas. Donc voilà, pour vous dire, et j'ai été vraiment dégoûté d'apprendre ça, et c'est très récent ce que je vous dis, enfin du moins c'est très récent pour moi de savoir ça. Tiens, hop, on va le saluer, le Horde. Donc je veux dire, c'est très récent pour moi, j'ai été assez choqué d'apprendre que Kalegos avait carrément dissous le vol draconique bleu. Mais bon, on va essayer de réparer les erreurs, de reformer le truc et de pouvoir remarcher tous ensemble sous une même bannière entre guillemets avec la communauté du vol draconique bleu. Bon, c'est la fin, on va dire, du RP que je voulais vous parler dans cette vidéo et que j'avais oublié de vous dire justement que j'étais à Frimara dans la partie précédente. Autre chose, j'ai vu sur le site Warlock Spirit le modérateur parler de... enfin l'admin parler de ce qui pouvait se passer après la 6.2. Des suppositions, tout ça, est-ce qu'il allait y avoir une 6.3 ou quoi. Et il y a des gens qui ont remarqué, hop, j'affiche la carte, et je sais pas si vous l'avez déjà remarqué aussi, mais on a la carte de Draenor là, mais ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ce n'est pas le bout de la carte ou quoi, parce que sinon ça se serait vu aussi ici. Ça, ce sont des terres. Ça, des terres inconnues qu'on ne peut pas voir là, en ce moment. Donc, est-ce que il va y avoir une autre mise à jour après la 6.2 et on va explorer encore plus Draenor? Parce que là, regardez, là on a la planète, on a les planètes et tout. Azeroth c'est comme ça, mais peut-être que derrière Azeroth, enfin la partie non visible qu'on voit pas là, peut-être qu'il y a un autre continent et tout. Et là, pour Draenor, ça montre que c'est juste ça les continents de Draenor, mais peut-être que derrière ou quoi il y a autre chose, peut-être que Draenor est plus vaste que prévu et ces morceaux de terre là ont l'air de nous indiquer qu'il pourrait y avoir du contenu supplémentaire pour Warlords of Draenor, à moins que ce soit pour une extension suivante, qui sait, parce que bon, je veux dire sur Azeroth même, Norfandre et Pandari ont été des extensions supplémentaires. Donc bon, peut-être que les terres que l'on voit là et les terres qu'il y a peut-être au-delà des mers de la frontière, peut-être que ce sera dans une extension suivante. On verra tout ça les amis, mais bon, je tenais à vous faire partager ça aussi. C'est quand même génial à ce... À ceux qui l'ont remarqué les premiers, je n'avais pas fait cas non plus de ce petit morceau de terre qu'il y avait ici. Et tout n'est pas fini les amis, on verra ce que les développeurs nous diront et tout. Donc voilà, bon, je pense que j'ai fini de parler à propos de tout ça, on va pouvoir commencer. Donc il y a Rexxar, vous vous souvenez, on l'a vu en Gorgrond pendant le leveling, et on voit ce qu'il nous veut. Ces sauvages n'ont aucun honneur. Il est temps de mettre un terme à la présence de la Horde de Fer sur cette île. Les Rylak sont sans défense face à la technologie de la Horde de Fer. Un véritable chasseur n'a pas besoin de machines pour capturer sa proie. Détruisez les déchiqueteurs de fer et les ordures qui les pilotent. Esprit va vous accompagner dans cette quête. Esprit? Non, c'est pas Nisha. C'est qui Esprit? Bon d'accord, hop. Ah! Ah d'accord, c'est un Kaliri. Un chapardeur. Rexxar vous regarde inspecter le gobelin mort. Ce qu'il veut que vous fassiez est assez évident. Tuer des chapardeurs et tout, d'accord. Hop.
Et apparemment, il y a aussi le truc de l'objectif. Oh la mince. Il faut plus que j'appuie sur ce bouton. Et maintenant que j'ai regagné mes pouvoirs de dragon, il faut que je me transforme à chaque fois en Tarigosa. J'ai perdu l'habitude. J'ai encore le truc de la quête journalière Apogide. Hein, mais bon, là aussi, je pense pas que je vais tout faire. Allez, hop, c'est parti. Arrêtez de tuer les Rylak. Les Rylak sont nos amis. Oula. Ok, il y a un gobelin qui s'est fait éjecter de la machine. Allez, tiens. Bon, il fait partie des gens que je dois tuer. Hop. Le Rylakinator 3000. D'accord, c'est un bon nom de... comment dire, de machine. Ah, ça fait vraiment mal. Non, sans blague. Allez. Ah, merci à Tarigosa. Hop là. Et enfin, on a le dernier Rylakinator ici. Amène-toi. Allez, ça va. Hop. Oula. Viens ici. Hop. Et voilà. Ok, c'est parfait. Alors, deux secondes. Ok, ouais, non, tout est bon. Donc, on a fini ça. Il nous manque un ingénieur et des chapardeurs. Où sont les chapardeurs? Il y a un ingénieur ici. On va se le faire. Hop, Sparidam. Et mince, on a gros un autre Rylakinator. Bon, toi, tu vas te manger des traits démoniaques. Hey oh! Je sais pas ce qui a pété sous moi, mais... Allez, hop, tiens, voilà. Ah, d'accord. Eh, hey, mais attaque pas le Rylak! Mais t'es bête, Torun, ou quoi? J'y crois pas. Ah. Les gardiens... Ah, chapardeurs, ils sont là. Bon, il y a un orc, hein, mais c'est pas grave, on va tout prendre. Hop, vous là-bas, là, dans la tente. Vous cherchez la bagarre! Hop, Sparidam. On va faire le tourbilol du familier. La 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 la. Allez hop, il manque 3. Hop, il manque 2, pardon. Il manque 2 mecs. 2 chapardeurs. Non, ils sont pas là. Lui là-bas? Ouais, lui là-bas c'en est un. Ah bébé! C'est les deux qui manquent, c'est pas beau. Ils se sont réunis en ce jour. Et voilà. Hop, hop. Parfait. Vous avez nettement réduit le nombre de gobelins du percheur de sombre flux. Et mince. Ces animaux valent plus que votre vie. D'accord, non merci. Hop. On va aller rendre la quête à Rexar. Non, lâche-moi la grappe. Je suis pas un Rylak. Purée, c'est moi ou il court aussi vite que moi? Arrête! C'est la course-poursuite la plus épique de tous les temps. Et mince, j'ai en plus de ça aggro un gobelin. Laissez-moi tranquille. Peut-être que là, ils vont me lâcher la grappe. Non, l'autre, il tire. Purée, mais t'es sérieux? Mais on est à 3 millions de kilomètres de ton truc. Bon, d'accord, j'ai compris. Hop, t'as de la chance, j'ai plein de fureurs démoniaques. Allez, hop. Mêlez-vous de vos affaires. Toi, mêle-toi de tes affaires. C'est toi qui m'as poursuivi, j'y crois pas. C'est ma réplique. Hop. Vous avez trouvé votre... Non. Vous avez prouvé votre talent pour la chasse, Black Evan, mais notre tâche sur cette île n'est pas encore terminée. Mais Salara, ces déchiqueteurs causent plus de tracas que prévu. J'ai espionné à travers les yeux des rats sur l'île. Il y a plusieurs déchiqueteurs vides à l'ouest d'ici.
Les rats sont très attirés par cet appât. Lancez-en sur les machines vides, nos petits amis se chargeront de les détruire de l'intérieur. Utilisez les rats pour détruire les déchiqueteurs vides. Quoi? D'accord. Attendez. Ah non, je croyais qu'il allait faire quelque... Oh, que... Et tu vas où, Rexar? D'accord. Tu rage quitte, c'est ça? Au revoir. Ouais, je sais pas où il va, là. Et comment ça, il faut... À part... D'accord. C'est très bizarre. Ah, on va essayer de pas... De pas aggro. Les déchiqueteurs vides sont par là. Allez, hop. C'est parti, les filles. Ah, bon. Ouais, il y a des rats juste à côté. Tenez, les filles. Allez-y. Il y a des rats sur, sur le truc. Manquerait plus que le machin, il se mette à décoller. Ah, ah non. Il a explosé. Hop, on va essayer de pas aggro. Même si je pense que... On va aggro. Et ouais. Hé, hey, on voudrait travailler ici. Nope. J'ai pas envie. Oh mince. Eh bien, ça craint. Va-t'en. Voilà. Pourquoi je suis encore en combat là? Il y a des trucs là-bas. On va essayer de passer. Ouais, non. Elle va nous voir. Ces oiseaux nous rapportent une petite fortune, alors du balai. Tiens. Dites à ma femme que. Non, oubliez ça. Quoi? Mais t'es déjà une femme. Hop. Tiens, voilà. Ok. Il en manque deux. Ah, bébé. Ils sont là aussi. Sauf que je sens qu'on va aggro. Allez, hop, c'est pareil, dame. On va faire le ménage. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Allez, feu à volonté. C'est bon. Ah, purée, mince. Elle, elle nous a bas aggro, là. Hop, hop, hop. Voilà. Fait. Donc, toi, on va te faire monter des rats dessus. Et... Ah ouais. Le campement de la horde de fer, il est ici. Et hop là. Voilà. Apparemment, je vois un point d'interrogation là-bas. Apparemment, c'est là-bas qu'il faut rendre ça. Donc, direction le camp de la horde. Oula, ouais. Ah. Ok, il a chopé un gobelin. Maintenant qu'ils ont moins de machines, ces avortons vont vite perdre leur position sur cette île. Excellent travail, Black Evan. La horde de fer jetait ses loups en pâture au Railac. Cet avorton était sur le point de prendre la fuite quand j'ai enfoncé la porte. Voyons à quoi il pourrait nous être utile. Les gobelins effectuent des expériences horribles sur les Railac. Cet imbécile m'a indiqué où se trouvent trois de leurs précieuses créatures. Libérez ces Railac mutants. La liberté permettra peut-être à leurs âmes torturées de retrouver un peu de paix. Ok. Cette misérable créature a vendu tous ses compagnons, il a suffi pour ça de lui serrer un peu le cou. Trouvez les chefs de cette opération et apportez-moi leur tête. Arata va vous accompagner dans votre quête. Arata, c'est qui cette fois? Il est temps pour la Horde de Fer d'apprendre à respecter la notion de chasse. Arata veille à ce que notre camarade bénéficie d'une protection adéquate. Ah d'accord, c'est un loup et apparemment un esprit a un gobelin dans ses serres. Ok. Ah, bébé. Hop, on libère un Railac.
Ok. Oh mince. Aïe. Oula, ce rail-là qu'il a des trucs sur la tête. C'est quoi, c'est des gyrophares? Ouais, il est sous contrôle. Oula, qu'est-ce que... Ah, d'accord. Je me disais, t'es qui, toi? Non, ceux-là, ils sont pas libérés. Toi, t'es allé... Toi, il faut être libéré. Hop. Alors attendez, où est-ce qu'on en est là? Apparemment là-dedans il y a des mecs. Hop, on va faire notre route. C'est Ryla qui appartient à la Horde de Fer. Ok. Suivant. Oula, Rylax au sédatif. Assistant Fex Mesh. Hey, toi, je n'abandonne pas facilement. Garrosh a personnellement promis de m'offrir Hurlevent. Ah, quand même. Ouais, mais sauf que Garrosh, il est plus là, donc... voilà, quoi. Va-t'en. Oula, oula. Bon, ça va. Ok. Ah, ben voilà, un dernier Rylax ici. Hop. On a fini ça. Et à l'intérieur. Hop. Mêlez-vous de vos affaires. Ôtez vos sales pattes de notre marchandise. Enterrez-moi avec mon or. Normalement, c'est les dragons qui aiment bien l'or. Mais apparemment, les gobelins ont une, ont la même soif que. Hop. Capitaine Mororat. Morora, c'est ça. Hop. Sparidam et très démoniaque. Et hop là. T'es pas encore mort? Allez, meurs. Voilà. Ok. Il manque un dernier. Raka, lance de sang. Où est-ce que tu es, toi? D'après la flèche, j'imagine que c'est sur les bateaux. Ouais, c'est sur les bateaux. Hop, on va passer en fufu. Ah ben non. Nope, nope. La 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 la. Elle est là! Viens ici! Oula! Un explosif de fer? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est une mini étoile de fer! Oh purée! Bah les Sparidam. Un petit tour au bilol. Au pied, pas question d'aller vadrouiller. Oula. Qu'est-ce que c'est la baie là? Vous allez payer pour ça. Tiens, qu'est-ce que tu veux là? Hop, hop, et hop. Voilà. Oh purée. Traque-vent de sombre flux. Hop là. Et hop. Parfait, parfait, c'est tout bon. Bon. Je sais pas si, si on aura fini l'objectif avant de finir tout ce qu'il y a ici, hein, mais si possible, je vais un peu monter hein, des PO et des cristaux apogides. Hein, on va pas non plus cracher dessus.
si on est sur le point de finir l'objectif. Ah non. Aïe. Ouais. Rexar est de nouveau là. On va voir ce qu'il va y avoir après. Zog Zog. Tu t'es cru dans Cendrillon ou quoi? excellent travail, Black Evan. J'ai vraiment de la chance de pouvoir vous compter parmi mes alliés. Force. Maintenant que les chefs de cette opération sont morts, elle a toutes les chances d'échouer. Cherchez la victoire. J'ai réussi à soutirer encore plus d'informations à notre charmant ami. La matriarche de Sombreflux se trouve en haut de la colline. Un de leurs ingénieurs en chef tente de la dompter avec sa technologie. Nous devons l'arrêter, Black Evan. Pour la... Comme promis, je vais vous libérer, mais avant que vous ne partiez, je crois que ces loups aimeraient s'entretenir avec vous. Oula! Ah, bon ben voilà. À manger. Allons-y, Black Evan, la chasse continue. Ah, je monte avec toi? C'est génial, merci. Bon oui, ça m'a retransformé automatiquement parce que je pense pas qu'un dragon, sous sa forme normale, on va dire, ça aurait pu tenir sur Nisha. Allez, hop. Oula. Ouais, la matriarche est ici. Oh là, on se calme, attendez un peu, il y a moyen de discuter. Ah mince, mon familier n'a pas été là. À l'aide, j'ai besoin de renforts. Attends, t'inquiète, j'en envoie des renforts. Oh la purée. Hop là, Indie Engine, et c'est parti. Oula. Il en arrive encore. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est un mage. C'est un mage qui a lancé une météorite. Bon voilà. Hop là. Tout doux, du calme, tu n'es pas en danger. Je ne te veux aucun mal. Et voilà, ça c'est une bonne fille. Je vais l'aider à se mettre à l'abri. Retrouvez-moi dans les îles situées à l'est d'ici. Nisha peut vous y mener par les airs si vous le voulez. D'accord. Ah, purée. Mais qu'est-ce qu'il me veut, là, le prêtre de la Serparia? Attendez, vous savez quoi? Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas cherché des noix à hors d'eux, alors on va lui buter son garde du corps, au moins. Il pourra pas l'utiliser pendant une heure. Voilà. Non, mais oh. Ça t'apprendra à faire une AOE comme ça. Hop, on monte sur Nisha. D'accord. Ah, voilà. J'ai cru que c'était moi qui allais la contrôler. Mais apparemment, non. Hop. Ma trône, ouais. Voilà, mince. On dirait... Ah, non. D'accord. Là, une grotte, ouais. Ah non. Ok, c'est là. On est là, c'est bon, tout s'est bien passé. Nous avons accompli de grandes choses sur cette île aujourd'hui, Black Evan. J'ai hâte de chasser à nouveau avec vous. Hop là. Nos âmes sont vraiment très semblables, Black Evan. Au plaisir de vous revoir. Et on a fini ça. Bon, attendez. Il manque pas beaucoup avant qu'on finisse la quête. Je vais aller voir s'il n'y a pas des rares à buter pour vite monter le truc. Et on retournera au fief. Et on verra combien de temps il nous reste pour voir si on peut faire encore des trucs. Parce que je pense là qu'on a fini la campagne du fief de la semaine. Donc ça veut dire qu'il va falloir nous occuper encore un petit moment avant de se dire à la prochaine vidéo. Ah, je vois un rare par là.
On va pas se contenter du menu fretin, hein. On va aller chercher du lourd. Dans la grotte. Ouais, il y a un rare ici. Gueule esquille. Allez, à l'assaut. Oula, bon attends, on va appeler les troupes du fief. Hé les gars! Hop là, ils sont là, ils sont venus. Allez-y, on va se le faire, tous ensemble. Sparidam! Oula, mais il va arrêter de me cracher dessus là. C'est dégueulasse. Tiens, prends-toi ça. Ah, mes troupes se sont retirées, mais de toute façon, voilà. Oh, il nous faudrait un autre rare et ce serait good. Et apparemment, il y en a ici. Nagidna, on va voir où c'est qu'il est. Et après, ce sera good. Ben, vous vous souvenez, je crois que c'était pendant le leveling, je vous avais dit que je vous montrerai, comme quand je faisais Mist of Pandaria, les tribulations d'un démoniste. Et ben là, c'est un peu exactement ce qu'on est en train de faire, hein. On fait les quêtes journalières de Draenor. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Ah, voilà, Nagina, c'est une hydre. Et c'est parti. Feu à volonté! Bon, là par contre, on n'a pas les troupes du fief, donc il va falloir faire avec nos ressources à nous. Ouh là là. Hop. On va vite monter la fureur démoniaque. Hop. Oula, avalanche! Oh oh! Des cailloux qui rebondissent. Hop. Voilà. Ouais, on arrive. Hop, Blast Blue et Sparidam. Feu! Voilà. Oula, oula. Ouch. Quoi? On n'a pas fini? Attendez. Il doit manquer un Pecno à tuer, peut-être. C'est bizarre. Manquerait plus qu'il me faut vraiment la quête pour que ça valide. Y a pas intérêt. Tiens, toi! Hop. Voilà, voilà. Et non, c'est bon. Voilà. On a fini ça. Merci de ta coopération. Maintenant, meurs. Voilà. Hop là. On peut donc retourner au fief. Pendant que je check combien de temps il nous reste, on va prendre le fly. Hop, hop, hop. Ouais, le fly il est par là. Hop, ouais, voilà. On va se servir d'un railac pour revenir au fief. Hop là. Portez-vous bien. Ok, alors maintenant voyons voir. Ça va, il reste un peu de temps. J'ai repéré quelques quêtes à faire. Je les ai repérés en Talador, vers ici. Là, il y a une quête ici, une quête ici, un petit truc là. Et après, c'est en Gorgrond. C'est vers cet endroit là. Donc bon, c'est pour l'instant les quêtes que j'ai réussi à repérer. Après, quand on les aura fait,
Si on n'a rien d'autre, il faudra voir. Il faudra voir à quel endroit on a d'autres trucs à faire. Parce que ce qu'il y a, c'est que si jamais les campagnes de fief, c'est une quête par semaine. Vu qu'il nous reste quand même pas mal à faire. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quêtes à faire, ça ferait 10 semaines. Ça fait au moins 2 mois et demi. Peut-être que la 6.2 sera sortie à ce moment. Il faudra voir, hein. Mais bon. On sait au moins à quoi s'attendre avec les... Avec les quêtes de campagne du fief. Attendez, c'est quoi ça? Ah bon, attendez, on va vite. Hop, check les missions. Ouais. Merci pour les ressources de fief. Est-ce qu'on peut t'envoyer ailleurs? Un endroit où tu peux te débrouiller tout seul. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Non, oh, purée, vous êtes sérieux? Attendez. Ouais, non, c'est bon. C'est la seule et ensuite, dans au moins une heure, ce sera bon. Alors, c'est qui cette fois? Ah, d'accord. Hop, merci beaucoup. Si j'avais su, je vous aurais envoyé tous les deux faire quelque chose. Ouais. Toi. Ah, dommage. Il faut deux. Bon, dommage, tu vas devoir faire ça. Allez, hop. Alors. Je pense que... on doit avoir assez de temps... pour aller faire la... quête... Ah oui, attendez. J'avais oublié. Juste après qu'on ait fait la première campagne de fief avec Taïline et Ansel, j'ai reçu ça. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai installé une de mes top mécaniques en rab à l'extérieur de votre fief. Elle vous amènera à votre avant-poste de Gorgrond quand vous voulez et gratis en plus. Donc merci Taïline et justement on va s'en servir parce que j'allais vous dire on doit avoir assez de temps pour aller au moins faire la quête en Gorgrond vu que c'est la deuxième zone de Pex. On va faire ça comme ça et on va donc sauter dans... Ah mince, ça va, voilà. Allez hop, c'est parti en Gorgrond. Au moins ça nous fera passer à le temps du fly. Allez hop, voilà. Et hop, Ah, coucou. Depuis quand t'as une quête, Toura? Approchez. Chasseur de trophées de Gorgrond, je pense parler au nom de tous en déclarant que vous êtes un des plus redoutables prédateurs de tout Gorgrond. Vous avez affronté les créatures les plus dangereuses sur leur propre territoire et vous en êtes revenu vivant pour nous en apporter les corps. Les gladiateurs aimeraient vous offrir un trophée qui témoignera de votre puissance devant le monde entier. Savourez votre gloire, champion. D'accord ? Mano Icta, mon ami. Donc ça, c'est parce que j'ai justement buté tous les mobs qu'il fallait avec le bonus du Sanctum des Gladiateurs, d'accord, mais ça, je savais pas. Et il est où mon trophée? Je veux le voir, s'il te plaît. Qui est? Un rôdeur Sacha. On peut l'attaquer? Comment ça se fait? Attendez. Hop. Oula. Comment ça se fait qu'on peut l'attaquer lui? Désolé mec, je veux voir ce que ça fait. D'accord.
A. E. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord. On va pas poser la question si, si on peut pas voir la réponse. Donc, la quête se situe là-bas. Ouais, là on va prendre le fly. Hop. Que la lumière vous bénisse. Crête de mer céleste. Hop, on prend un dragon fée. Allez hop. On traverse la zone des Gorons. Avec le World Boss Drov le Dévastateur qui est juste ici. Ouais, y a personne qui le fait. Et hop, voilà, c'est ici. Là, vous voyez, il y a une quête, racine. On va voir ce que c'est. Hop. Défilé de racines, d'accord. Mais c'est qui racine? C'est quoi ce petit machin là? Racine le vorace, le sanglier fouille les détritus abandonnés par la horde de fer. Il cesse de mâcher et vous regarde puis rote. Il pue atrocement. On dirait qu'il mâchouille un morceau de viande pourrie. Vous pourriez peut-être lui trouver quelque chose d'un peu plus sain à grignoter. D'accord. Ok. Apparemment ça se situe là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Des nopales épineux. Ok. Il en faut 5. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air délicieux. Bon, ben, on va devoir les attaquer, hein, tant pis pour eux. Des gardes roches noires. Hop. GG. Voilà, voilà, voilà. Ils sont morts en même temps, c'est gentil à eux. Hop. Ouais, par là. Hop. Ah, rempart, ok, d'accord. Envoie le prochain sort. Tiens. Hop. Il nous en faut plus que 2. Ouais, bon, les deux qui sont là, allez, hop, voilà. Hop, voilà. Attaquez mon familier, hein, pendant ce temps. Je vais chercher ça, hop. Et je vous titille un peu de loin. Hop, et voilà. Voilà, et... voilà. Parfait. Ensuite, on va rendre ça et on va voir ce qui se passe. Tiens, on a trouvé quelque chose d'autre. Cette viande pourrie est répugnante. Trouve quelque chose de sain à manger pour Racine. Mais tiens, vous donnez les nopales aux sangliers affamés qui les dévorent sans en perdre une miette. Racine se jette alors sur vous et se sert de sa langue dégoûtante pour vous lécher le visage. On dirait que vous avez un nouvel ami. D'accord. Ok, c'est tout. Racine agite la queue et bave. Ce serait presque mignon s'il ne pétait et rôtait pas en même temps. Ouais. Il rôte, il pète, rien ne l'arrête. Donc c'est tout. Ok. Combien il reste? On peut peut-être aller check viteuf.
salutations, voyageur. C'est plus près au refuge de Terrocar. Bon, ne vous inquiétez pas, on va pas perdre de temps avec le fly. Hein, on se retrouve là-bas, les amis. À tout de suite. Ok, voilà, les amis. Donc, nous sommes en Talador, au refuge de Terrocar. Et les quêtes que j'ai repérées sont par là. Hop, on va traverser là-bas. Normalement, il y a des quêtes là, ce petit machin. Mais vu que je sais pas combien de temps ça peut durer ou quoi, et vu qu'il reste pas non plus 3 millions de temps, on va en faire quelques-unes et se réserver le reste pour la fin. Il y a une quête par là. Hop, par là, ouais, voilà. Nadur. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Tulia, ah mince, ok, lui, apparemment, il s'est fait attaquer. Bienvenue, bienvenue. Un pèlerinage dramatique. Ma sœur et moi voyagions vers Oshindun pour honorer la mémoire de ma grand-mère quand nous avons heurté un rocher et perdu le contrôle de notre caravane. J'ai survécu, mais ma sœur... Nadur pleure. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Si vous pouviez m'apporter du sang de rôdeur, des fleurs appelées gueule de loup et un œil de bondisseuse des rivières, je pourrais fabriquer une potion pour la ramener. Je sais que je peux le faire. Ah d'accord, tu peux la sauver? D'accord. Faites bon voyage. Ok, bon, on va vite faire ça. Ah ben voilà. Gueule de loup, des rôdeurs, c'est parfait. Il y a de tout. Oula, d'accord. Il s'est fait un peu défoncer, lui. Alors, on l'ajoute à certains élixirs comme agent coagulant et reconnu pour ses vertus médicinales quand elle est cueillie correctement. Heureusement que je suis arboriste, alors. T'inquiète pas, mec. On va t'aider. Hop. Bon, ça va, ils se font facile. Voilà. Il manque plus que une palme. Et 300. Hop, on va tout faire venir là. Allez, venez, venez, venez. Hop. Il nous manque encore 200 et ça c'est fini. Voilà, normalement ces deux devraient nous les donner. J'espère. On va prendre l'orchidée de Talador. Hop, merci. Ah ben non. Ils nous ont troll. Eh ben tiens toi. Tiens. Sparidam et onde de chaos, ça t'apprendra. Tu payes pour les autres. Merci. Voilà, et il manque œil de bondisseuse des rivières. Il nous en faut un seul. Et les bondisseuses, ouais, c'est des crapauds. Allez, hop. Non. Peau empoisonnée, ah mince. Hop, ouais, voilà, c'est bon. Certains alchimistes s'en servent pour accroître la puissance de leur création. Ok, tiens, c'est bon. Arcanon Poros. Je ne sais pas ce que je ferai sans Tulia. Elle n'est pas seulement ma sœur, mais aussi ma meilleure amie. Merci, je vous remercie mille fois. Longue vie à vous. Encore merci, Black Evan. Maintenant, utilisons la potion pour faire revenir Tulia. Allez, vas-y. On a confiance en toi, mec. Allez, Tulia, réveille-toi. S'il te plaît, tu dois te réveiller. Ça ne sert à rien. Quoi, on a fait... Encore merci, Black. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse, ni Tulia. Oh, purée. Tu veux que j'aille chercher un prêtre? On lui fait une résurrection. Je peux pas lui mettre une pierre de raise.
Non, ça l'a mis sur moi. Dommage. Eh mec! Ah, tu pars comme ça! T'as pas un palouf ou quoi là? Tu le fais un raise? Sérieux, tu vas pas la laisser comme ça? Ou alors tu l'emportes avec toi? Tu laisses pas son cadavre ici? Tu veux pas l'enterrer non plus? En plus, tu vas au Shindun, quoi. C'est l'endroit rêvé. Bon, d'accord. Écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Ouais. On va voir ici combien il y a de quêtes, mais je pense qu'on va retourner au fief. Île de sombre soir. Voilà, ouais. Ah, un gnome. Torben Zoupepaf. Ouais. Et c'est quoi ici? Je veux dire, il y a un truc. Ah, ouais, il y a une autre quête ici. La voyante Malune, gardienne de la mémoire. D'accord. Bon. Ça fait déjà deux quêtes ici. Une troisième qui se trouve par là. Et après... après, il faudra que je cherche encore. Mais dans la vallée d'Ombre Lune, déjà, j'ai quasiment rien trouvé. Elles sont pas indiquées. Ces quêtes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Bon. Par contre, j'ai ça. J'ai la célèbre arène de sang. J'ai des mecs à les tuer, donc on pourrait faire ça aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment d'autres quêtes dans les flèches de Dara que j'ai rien trouvé non plus. C'est très bizarre. On arrive peut-être à la fin, les amis. Bon. Il y aura quand même Ashran à aller faire et aussi faire une petite visite quand même, hein. Parce qu'on n'est pas non plus allé voir en profondeur ce qui s'y passe là-bas. Ouais, c'est sûr qu'après, s'il reste que les quêtes de campagne de fief, ça va être assez court, on va dire. Ouais. Me dire là d'un coup il n'y a pas une nouvelle quête qui s'affiche. Non, le poster il dit rien. Il n'y a pas le familier de Khadgar. Non. Je pense donc que on est bon pour attendre la semaine prochaine ou du moins mercredi prochain. Parce que les semaines sur WoW c'est du mercredi au mercredi. Donc bon. Je pense qu'on en a fini avec cette partie, les amis. Y a rien qui a changé ou quoi. Je veux dire, y a pas Racine qui est venue dans notre fief. Apparemment, non. Ah oui, par contre, j'aurais ça aussi à faire, ouais, qui date du début de la 6.1. C'est aller chercher des trucs à forge fer. Donc ça aussi, on pourra les faire. Ouais, non, c'est bon. On a encore pas mal de choses sur le feu, les amis. Hein. On verra comment ça se passera la partie suivante, si on fait beaucoup de trucs ou pas. Mais bon, là, c'est fini pour celle-là. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à ma page Facebook et à mon compte Twitter pour suivre l'actualité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao! Dans une autre branche du futur où la fin du monde est arrivée, où elle demeure à gagner, elle demeure celui, c'est l'ancien aspect de la Terre et chef du vol graphique noir. Dans Cataclysme, en fait, il se réveille et ils ont tous nous buté, et là on est dans le futur où il a réussi, et ce qu'on va devoir faire avec l'aide de Nos Dormu qui est le chef du vol.